Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme promis pour vous présenter tous mes nouveaux schlèches. Donc en tout j'en ai eu 25, alors il y en a beaucoup, mais ils étaient d'occasion. Donc il y en a certains que j'ai achetés sur Braderie et d'autres sur Le Bon Coin, donc il n'y en a que deux de neufs dedans. Donc voilà, vous étonnez pas s'il y en a beaucoup. Je les ai pas eu pour très cher, c'est ça qui est plutôt cool. Après il faut dire qu'ils sont assez vieux, enfin j'ai pas eu des tout nouveaux, donc... Voilà, on va tout de suite commencer avec ceux que j'ai achetés en magasin. Donc il y en a deux, c'est parti. Alors, je les ai achetés à Jouet Club pour 7 euros. Donc on a la jument arabe que j'ai appelée Coco. Donc elle est super belle. Oups. Elle est super belle. Voilà, je trouve que c'est un très bon achat que j'ai fait. Enfin, je vous la conseille, elle est vraiment magnifique. Voilà. Et le deuxième, c'est l'étalon lusitanien que j'ai appelé Spirit. Donc il est juste magnifique aussi, sa posture comme ça, c'est super beau. Donc voilà, je détaille pas trop parce que vu qu'il y en a beaucoup, sinon la vidéo va durer éternellement. Donc voilà, on va passer à ceux que j'ai achetés sur Braderie. Donc j'en ai acheté 6. Alors, tout d'abord, on a le Falabella, l'ombre Falabella que Axoul Axoul a, qu'elle l'a appelé Pompon. Donc voilà. Moi je l'ai appelé Flash. Donc voilà. Il est très très beau. Et en fait il est super petit. Mais bon c'est normal vu que c'est un Falabella. Donc voilà. Il est super joli. Super mignon et tout. On va le mettre là. Ensuite j'ai acheté le Shetland Safari. Donc en fait sur les photos sur internet il n'est pas super beau. Mais quand je l'ai vu en vrai, bah franchement il est assez joli. Donc je l'ai appelé Loustic. Ensuite, il y a le poulain arabe qui broute. Alors, je le trouve super chou. Je l'ai appelé Apache. Donc, voilà. Ensuite, il y a la jument frison. Donc, c'est l'ancienne. Hein, elle date de 2005. Que j'ai appelée Arizona. Donc, elle est super belle. Et comme vous pouvez voir, elle est plutôt marron en fait. Donc à la base elle est noire mais là elle est plutôt marron, donc j'hésite à la refaire en noir. J'ai juste refait les crins pour l'instant pour faire un peu baie. Et puis voilà, j'hésite encore. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté l'étalon frison. Donc j'ai appelé Hidalgo. Alors il est super beau. Voilà. Et en dernier j'ai acheté la pouliche qui est couchée. Donc la pouliche Alfinger. Il me semble, oui c'est ça la pouliche Alfinger. Ou le poulain, enfin moi, pour moi c'est une pouliche que j'ai appelée étincelle. Donc voilà, c'est fini pour les chevaux que j'ai achetés sur Braderie. On va passer à ceux que j'ai achetés sur Le Bon Coin. Alors on va faire par catégorie parce qu'il y en a beaucoup. Donc on va commencer avec les chiens. Alors tout d'abord j'ai acheté le dalmatien, donc le mâle dalmatien, que j'ai appelé Hollywood. Donc voilà. Et ensuite j'ai acheté... La femelle, je sais plus sa race. Je sais plus, faudrait que je regarde. Donc elle c'est une papo et le dalmatien c'est un schlèche. Donc voilà, je sais plus du tout sa race, que j'ai appelée Lassie, comme dans le film. Parce qu'il me semble qu'il y a un film avec un chien comme ça qui s'appelle Lassie. Bref, voilà, on va passer au poulain. Donc pour commencer, j'ai acheté le poulain andalou, que j'ai appelé Tango. Et le deuxième poulain que j'ai acheté, donc c'est un papo, l'autre c'est un schlèche. Donc c'est le poulain Pinto. Donc moi je dis que c'est une pouliche que j'ai appelée Kiara. Donc on va passer au poney. Donc j'ai acheté la jument Alfinger schlèche que j'ai appelée Pinky. Et ensuite j'ai l'étalon Alfinger papo que j'ai appelé Kiwi. Donc voilà, on va passer aux chevaux. Donc déjà on a la jument Pinto Papo, donc c'est la jument qui va avec le poulain, enfin la pouliche. Donc la pouliche elle tète, en fait je sais pas si vous connaissez, c'est ça, il y a tout qui tombe. Donc je vais y arriver. Voilà. Bon bref, voilà. Donc elle s'appelle Corail. Ensuite j'ai acheté l'étalon forêt noire qui n'a pas encore de nom. J'hésite à l'appeler Diabolo, mais je sais pas encore. En fait, je vais voir. Donc voilà. Ensuite, il y a la jument andalouse qui s'appelle
turquoise. Voilà. Ensuite, il y a la jument Lipizzan qui, je sais plus comment je l'ai appelée, ou alors elle n'a pas de nom encore. Il me semble qu'elle n'a pas encore de nom. Donc voilà, donc c'est l'ancienne, hein, elle date de 2001. Donc voilà, elle est assez vieille quand même. Et donc avec, j'ai l'étalon Lipizzan, donc je sais pas si c'est l'ancien ou pas. Je pense, parce que il date de 2004. Donc voilà, que j'ai appelé Hercule. Ensuite, j'ai l'ancien étalon Tennessee Walker, donc que j'ai appelé Playboy. Il est super beau. J'adore ce moule en fait. Voilà. Ensuite, il y a l'étalon Tinker qui n'a pas encore de nom. Donc voilà, il est super beau aussi lui. Ensuite, il y a l'ancien étalon Shear. Enfin, je pense que c'est l'ancien vu qu'il date de 2000. Donc il n'a pas encore de nom non plus. Ensuite, j'ai acheté la jument, il me semble, Quarter Horse, qui date de 2000. Donc elle est assez vieille. Et d'après ce que j'ai pu voir sur internet, elle est rare. Donc voilà. Après, je sais pas, hein, je connais pas non plus trop. Enfin, voilà. Donc, elle. Je sais plus comment je l'ai appelée. Je ne m'en souviens plus. J'avais trouvé un nom, mais je m'en souviens plus. Donc voilà. Ensuite, oups, on a un papot. Donc apparemment, ce serait un pur sang. Mais il a l'air assez rare aussi parce que sur internet, j'ai trouvé qu'une seule image. Donc je sais pas. Et je sais pas si c'est un étalon ou une jument. Mais pour l'instant, il s'appelle Prince. Donc voilà, pour l'instant, je dis que c'est un étalon. Si vous savez, bah, dites-le moi en commentaire. Ensuite, j'ai acheté donc mon dernier achat, le dernier que je vous ai pas présenté. Donc, je sais pas si c'est un étalon, une jument, un papot, un chelèche, hein, tout ce qu'on veut, je sais pas du tout. Il faudra que j'aille voir sur internet. Il me semble tout de même que c'est un papot, mais je ne m'en souviens plus. Sinon, je pense que je vais essayer d'enlever la selle comme je peux et poncer ce qui reste. Et ensuite le customiser parce que j'aime pas trop quand la selle elle est dans le moule comme ça me plaît pas trop. Donc je pense que je vais vraiment essayer d'enlever le plus gros et ensuite de poncer ce qui ne me plaît pas. Donc donnez-moi vos avis si vous avez déjà essayé, etc. etc. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je les ai tous achetés avec mes sous, donc ne pensez pas que je suis gâtée, etc. Donc voilà, j'avais économisé et puis je les ai achetés. En plus, je les ai eus à très bas prix. Donc voilà. Et je sais, j'en ai eu beaucoup, mais il faut dire que je vais en acheter un peu moins maintenant. Voilà, je vais faire une petite pause. Je vais juste peut-être acheter encore des personnages parce que j'en ai qu'une pour l'instant. Il faudrait peut-être que je songe plutôt à ça qu'aux chevaux. Donc donnez-moi vos avis, donnez-moi des prénoms, mais pas trop parce qu'après c'est un peu chiant. Mais donnez-en quand même, ça peut être sympathique. Donc voilà, surtout des prénoms d'étalons parce que pour les juments j'ai des idées, par contre pour les étalons j'ai un peu de mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et me laisser des commentaires. Bisous!